Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Et bienvenue dans Si on sortait. Jeudi à la source de Fontaine, ne manquez pas le chanteur jamaïcain Winston McAnuff, accompagné de l'accordéoniste français Fixie. Ils reviennent avec un nouvel album Big Brother, sorti le 21 septembre, avec du rythme cubain, des basses électroniques, de la funk et des synthés. À la rampe des Chiroles, retrouvez Flux de la compagnie Contrepoint jeudi. C'est un spectacle avec 8 danseurs qui interrogent le passage de l'immobilisme au mouvement. Ici, les corps sont en quête d'un nouvel élan. Les mouvements des danseurs répondent à ceux de 6 projecteurs. À la salle noire, c'est De Féline qui fait le show jeudi et vendredi. La grande gueule à la voix rock présente son premier projet en solo entre nostalgie amère, mélancolie, poésie et sensualité. L'essence même du projet réside dans la prise de risque avec le bousculement des habitudes. Ah, c'est une boîte d'intérim qui m'a appelé à 14h. À la basse-cour, retrouvez Aymeric Lompré, déprimé, largué de son boulot et par sa copine. Aymeric Lompré, vous l'avez sûrement déjà vu dans l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire, et aux côtés de Pierre-Emmanuel Barré, avec qui il partage le goût du trash. Alors pourquoi combattre la mort qui vous apportera la paix et la libération? À la bobine, c'est projection du film documentaire Roger McGowan, condamné à mort. C'est l'histoire de ce prisonnier afro-américain détenu depuis 1986 au Texas pour un crime qu'il n'a pas commis. 6 semaines après l'assassinat du propriétaire d'un nightclub, il est arrêté. Il clame son innocence depuis 31 ans face à une institution marquée par le racisme et la corruption. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.